Je l'avais dit, j'en étais sûr. Salut à tous, c'est Papillon, j'espère que vous êtes bien, j'espère que vous êtes en forme. Marquis, c'est le matin 3 de vous pour une toute nouvelle vidéo pour vous parler de Call of Duty 2017, le nouveau Call of Duty qui va sortir cette année. Alors, ça a été confirmé et tout, mais avant ça, je vais revenir sur les informations que j'avais dit et la plupart des informations que j'avais dit étaient vraies. Et ben oui, même si ma vidéo avait pas remarqué, eu un grand succès en nombre de likes. Mais là, au moins, vous saurez que quand vous devrez chercher des informations sur un jeu comme Call of Duty, un nouveau Call of Duty, bah, vous savez vers qui vous tournez. Hein. Coucou. Donc voilà, player, là, on se retrouve dans une petite game, comme tu le vois. Et je vais vous donner les dernières informations, comme ça, vous aurez un petit gameplay en fond et tout. Là, je suis en train de jouer actuellement, comme vous le voyez là. Et je vais vous donner les dernières informations reçues par... Triarche sur le nouveau Call of Duty. Alors, il y a une nouvelle information qui dit que c'est comment ça s'appelle encore L Gamers Games qui va faire le jeu de Call of Duty 2017. Donc là, je me doute un peu, j'ai un peu peur parce que moi je veux que c'est Triarche et Slash Gamer Games. Sinon, ça, je pense que ça va vite partir en cacahuète vu ce qu'Infinity Ward a fait tout seul. J'ai un peu peur, tu vois, et s'il n'y a pas le truc, il n'y a pas Triarche dedans, le zombie c'est Triarche, et je pense que ce sera, on va dire, pas la fin du zombie, mais un autre zombie qui va pas me plaire du tout. Comme celui d'Infinity Warfare, il me plaît assez bien, encore, il peut encore aller parce qu'il est cool, mais voilà, c'est juste quoi, et j'espère que Slash Gamer Game va rattraper le zombie sur ce coup. Et voilà, j'espère que vraiment que Slash Gamer Games va gérer sur ce nouveau Call of Duty parce que la licence est vraiment en train de chuter. Ouh là là, je fais des bons kills là, manque de rien. Ouh là là, ouh là là, ouh là là. Ok. Voilà, et une autre information recul, c'est que le jetpack est, voilà, n'est plus là et le retour au sol est vraiment confirmé. Voilà, donc on est vraiment content, le retour au sol, c'est ce qu'on attendait. Et retour à la guerre, voilà, comme dans le CEPA. On retourne dans le CEPA ma main et on refait des Call of Duty comme bon vieux temps. J'espère que le zombie aussi va suivre parce que ce serait un peu nul parce que les zombies c'est ce que j'adore vraiment sur les Call of Duty. Donc j'espère vraiment qu'il sera dessus et j'espère que Slash Gamer Games va faire du bon. Et à ce qu'il a dit des trois jeux, voilà, qui va faire sortir plusieurs jeux. J'espère que nos internets seront fiers de nos prochains jeux. J'espère que ce sera des bons jeux. Je le souhaite que ce sera des bons jeux aussi. Parce que si c'est trois bons jeux qui vont sortir. Attention, je n'ai pas dit que ce sera trois bons jeux qui vont sortir d'affilée. Hein. Ça peut tout bien être des jeux qui sortent à des dates vraiment éloignées. Donc j'espère vraiment que ce sera des bons jeux. Et j'espère que le Call of Duty 2017, ils vont pas chuter là-dessus. Ils vont faire du bon zombie surtout. Et du bon multi. Comme du Black Ops 2, quoi. Moi, je prends vraiment comme exemple Black Ops 2. Voilà, parce que c'est pour moi le Call of Duty, voilà, qui était pour moi le plus parfait niveau zombie et niveau multijoueur. Donc j'espère vraiment qu'ils vont faire un Call of Duty, on va dire, de ce genre. Et je l'espère. Ouh là là, ouh là là, ouh là là, ouh là là, ok. Voilà les papillons, cette vidéo est terminée. Si t'as bien aimé avoir, voilà, des informations sur le Call of Duty 2017, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et voilà, c'était Marky Gaming. Je vous dis à très bientôt les papillons pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao ciao. Wow. Ok. Oulala, comment on fait du coup? Oulala, oh non!